c'est là-bas derrière le square. Deuxième maison, deuxième étage, la fenêtre avec un lierre fossilisé, c'est là qu'il habitait. Albert, il se levait très tôt pour rester son chapeau. Se lavait quelquefois pour tartiner sa baguette. Sortait plus ses baskets, l'habillait jusqu'au soir. Il allait faire un tour, acheter son gauloise bleue. Il embrassait Irma, le portrait de sa femme. Pour se prendre les bus, un soir de vin nouveau. Albert, le violon d'Albert. Albert, où il est tous les soirs. Albert, voyez au troisième rang. Albert, si je faudrait à droite, comme un fusil d'armes, comme on serre un boulon. Son violon qu'on prenait, restait bien accordé. La première cigarette arrivait à 11h. Il mangeait pas grand chose avec des bruits lumineux. La sieste prenait sa part après ses folles agapes. Il retrouvait l'archet en quelques notes brillantes. Albert, le violon d'Albert. Albert, Queenette tous les soirs. Albert, voyez au troisième rang. Albert, si je faudrait à droite. Il s'installait tranquille à sa fenêtre ouverte. Il aimait le salut de la grosse dame d'en face. Et le bonjour donné de son concierge en bas. Quand le soir était là, il emmenait son violon. Galopait dans les rues, son outil à la main. Il croyait avoir l'air d'un gangster en cavale. Albert, le violon d'Albert. Albert, oui, mais tous les soirs. Albert, voyez au troisième rang. Albert, si on fondait à droite. Trouvait sa place sur le pupitre incollant. Pour ne pas changer, il mourrait encore. Il aimait vraiment pas ce qu'il faisait le soir. Non, il aimait vraiment pas ce qu'il faisait le soir. Qu'il aimait vraiment pas ce qu'il faisait le soir. Non, il aimait vraiment pas ce qu'il faisait le soir. Albert.